Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Malheureusement, j'ai pas eu trop le temps à cause du travail et j'ai dû me remettre un peu en question sur certaines choses de mon activité. Mais voilà, là je suis de retour. Et pour recommencer doucement les vidéos, j'ai décidé de faire une vidéo courte et technique où je vais vous parler des points ajourés. Donc, je vais vous parler de leurs fonctions et je vais vous montrer une ou deux techniques différentes qui vont vous permettre de créer des jours. Donc, pour cette vidéo, je me suis basée sur mon fidèle bouquin de travaux d'aiguille, dont je vous ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Et pour vous la rappeler, j'ai mis le lien dans la partie description de cette vidéo même. Voilà. Donc, les points ajourés. Alors, avant de vous montrer les différentes techniques qu'il existe pour les réaliser, j'aimerais parler d'abord des fonctions. Alors, ce qu'on appelle les points ajourés en tricot, c'est lorsqu'on crée des jours, c'est-à-dire des trous, en tricotant un ouvrage. Donc, les jours, ce sont donc des petits trous qui vont vous permettre de réaliser des boutonnières. Lorsque vous faites une œillette pour bébé, par exemple, ça peut être utile. Ou lorsque vous tricotez une veste, ça va vous permettre aussi de faire passer des rubans plus ou moins larges pour faire une ceinture, par exemple. Ou dans un but décoratif. Donc ça, il s'agit des différentes fonctions utilitaires, on va dire, des points ajourés. Ensuite, les points ajourés, il faut savoir qu'ils sont beaucoup employés aussi pour créer de la décoration. Voilà. Les points ajourés se tricotent de plein de manières différentes pour former des motifs très fantaisie, très jolis. Donc là, on parle plus du côté décoratif. Et par la même occasion, les points ajourés vont donner un côté très aéré si vous tricotez un vêtement tel qu'une jupe d'été ou un débardeur. Donc quand il fait chaud et qu'on transpire, c'est vraiment l'idéal de tricoter en points ajourés pour donner ce côté très aéré à un vêtement. C'est vraiment l'idéal, hein, ce type de point. Donc voilà, là il s'agit donc des différentes fonctions, si vous voulez, du point ajouré. Hein. Donc voilà, ça peut être très bien, aussi bien utilitaire, comme les boutonnières. Créatif, décoratif et à la fois ça donne un côté aéré à un vêtement. Voilà. Donc il existe au moins deux techniques différentes, voire plus, hein, pour faire des points ajourés, mais j'aimerais vous en montrer au moins deux. Ce sera déjà pas mal. Et le but de cette vidéo, c'est non seulement de vous apprendre à les réaliser, mais aussi ça peut vous aider pour vous à créer un vêtement avec des points ajourés si vous faites votre propre modèle de t-shirt par exemple. Ou je ne sais trop quoi d'autre. Voilà, donc là c'est vraiment une vidéo ciblée sur les points ajourés, c'est un peu technique. Ce n'est pas, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est pas, je ne vais pas vous apprendre à faire un modèle en points ajourés dans cette vidéo. Hein. Je vais seulement vous montrer les techniques pour réaliser des jours. Donc c'est parti. Donc là nous allons tricoter un échantillon et je vais vous montrer au moins deux méthodes différentes pour vous apprendre à réaliser des jours. Donc moi j'ai pris un reste de pelote de taille moyenne et j'ai pris des aiguilles double pointe numéro 5. Donc pour commencer nous allons monter une dizaine de mailles. Donc vous faites un nœud normal comme ceci pour commencer et vous allez piquer avec votre aiguille dans la boucle qui est en haut à droite et vous serrez un petit peu. Donc là ce premier nœud c'est la première maille et à partir de cette première maille nous allons monter 10 mailles. Vous piquez l'aiguille de droite, vous tournez le fil autour de l'aiguille et vous faites ressortir le fil à travers la boucle précédente. Vous piquez, vous tournez et vous faites ressortir la nouvelle boucle de la maille précédente. Vous piquez, vous tournez le fil autour de l'aiguille comme si vous tricotiez en jersey et vous faites ressortir le fil, vous voyez, à travers la boucle que vous mettez sur l'aiguille gauche. Mince, je me suis loupée. Donc vous montez au moins une dizaine de mailles. Hein. Bon, le but, hein, peu importe le nombre de mailles que vous montez, il ne faut pas faire quelque chose de trop large. Le but, c'est juste de faire un petit échantillon
pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour la réalisation des jours. Voilà, là j'ai monté donc 10 mailles. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter quelques rangs en jersey. Donc là, je fais un rang en jersey en droit. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le point jersey, si vous débutez, un point jersey se tricote comme ceci. Vous piquez l'aiguille droite dans la maille, vous tournez le fil autour de l'aiguille droite et vous faites ressortir le fil à travers la boucle et vous laissez glisser la maille. Voilà. Et là, vous tournez votre aiguille. Et là, toujours en jersey, vous allez tricoter un rang en jersey envers. Comme ceci. Donc, vous piquez avec votre aiguille la boucle. Vous tournez le fil autour de l'aiguille droite. Et hop, faites glisser la maille. Et là, vous allez tricoter encore deux rangs, donc un en jersey en droit, comme on a fait tout à l'heure, et un en jersey envers, comme nous venons de faire. C'est pour créer un petit peu de hauteur, pour qu'ensuite vous voyez bien comme il faut, comment se forment les jours. Je déroule un peu de fil de ma petite pelote. Voilà, donc là, vous voyez. On voit bien le point jersey. Là, c'est le côté en droit. Et là, c'est le côté envers, donc la face envers. Donc là, vous tricotez un dernier rang en jersey envers. Voilà. Alors, pour tricoter un jour simple, alors c'est très simple. Alors, ce que vous allez faire, vous allez pour commencer tricoter une maille en droit. Voilà. Vous allez faire un jeté comme ceci. Vous tournez le fil comme ceci autour de l'aiguille pour que le fil se retrouve devant. Et les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. À l'endroit. Les deux mailles suivantes, il faut les tricoter ensemble à l'endroit parce qu'on a fait un jeté et un jeté correspond à une maille de plus. Donc ça paraît logique que les deux autres mailles, il faut les tricoter ensemble. Comme ça, on se retrouve avec le même nombre de mailles qu'au début. Donc là, on va refaire un jeté. C'est le jeté qui va former le trou, le jour en fait. Et les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous faites un jeté. Et les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Un jeté. Et les deux mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et là, vous terminez par une maille en droit. Donc là, on a fait 1, 2, 3 et 4 jetés. Donc il y a 4 tours. Trous, pardon. Et là, si vous comptez le nombre de mailles, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nous en avons 10. Donc vous voyez, grâce aux diminutions, on se retrouve à nouveau avec 10 mailles.
Là, vous tournez vos aiguilles. Et vous allez tricoter en jersey envers. Comme ceci. Là, le jeté, vous le tricotez comme ça, par devant, par le bras avant. Comme ça va former un joli trou. Là, pareil, par le bras avant, comme ceci. Le dernier jeté par le bras avant, vous voyez, comme ça, et vous tricotez la dernière maille. Voilà, là on va tourner. Et là voilà, vous voyez, vous retrouvez avec 4 jolis trous. Et maintenant, nous allons réaliser une seconde méthode. Mais d'abord, nous allons tricoter au moins 2 rangs en jersey pour créer une hauteur, pour que vous distinguiez bien les différents trous que nous allons réaliser. Donc un rang jersey endroit. Et on va faire encore un rang en jersey envers. Après, si vous voulez tricoter 2 autres rangs, n'hésitez pas, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, donc je vous montre quand même un petit peu à quoi ressemblent les trous. Alors celui-là, il paraît un peu plus petit, mais c'est normal, il se trouve sur la bordure. Parce que sinon, ils sont bien larges, les trous, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un jour simple. Donc maintenant, nous allons faire des points jourés. On va faire des jours en utilisant la méthode du surjet simple. Alors vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous tricotez donc là, on est bien sur le côté endroit. Ne vous trompez pas. Vous allez tricoter la première maille en jersey endroit. Là, vous allez faire un jeté, donc derrière vers l'avant, sur l'aiguille. Vous glissez la maille suivante. Et la maille suivante, vous allez la tricoter. Voilà. Donc là, c'est la première maille que nous avons tricotée. Là, c'est le jeté. Là, c'est la maille glissée. Et là, c'est la maille tricotée. Et la maille que nous avons glissée, nous allons la faire passer par-dessus la maille tricotée. Voilà, et là vous avez fait votre jour à l'aide du surjet que nous venons de réaliser. Donc le fait qu'on a glissé une maille, tricoté la suivante et passé la maille glissée par-dessus la maille tricotée, c'est ce qu'on appelle un surjet. C'est une technique que vous avez sûrement vue dans mes vidéos, notamment lorsque je tricote mes chaussettes. Sauf que je ne réalise pas de jour, je fais juste un surjet pour la forme du talon. Donc si vous avez l'habitude de visionner mes vidéos, notamment de tricot de chaussettes, normalement vous connaissez cette technique. Sauf que là il s'agit d'une technique avec un jeté pour qu'il y ait un jour. Et le surjet permet de supprimer une maille pour qu'on se retrouve au final avec le même nombre de mailles qu'au départ. Donc je vais recommencer. Donc là je vais tricoter une maille. Faire un jeté, glisser la maille suivante sur l'aiguille sans la tricoter, la maille suivante la tricoter et la maille glissée, celle-ci, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Et là, on obtient un deuxième jour. Là, je vais le faire une dernière fois. Je tricote une maille. Donc je fais un jeté, je glisse l'autre maille, je tricote la suivante et la maille glissée, je passe par-dessus la maille tricotée et là je termine par une dernière maille que je tricote normalement. Donc là j'ai fait
3 jours, vous voyez. 1, 2 et 3. Et là ensuite, pour bien vous montrer le jour, je vais tricoter 2 rangs. Donc un en jersey envers. Et vous tricotez par le bras avant le jour. Donc là, on a fait le premier. Le deuxième. Et le troisième jeté, il faut le tricoter par le bras avant, comme on a fait tout à l'heure en fait. Et là, je tourne. Et voici ce que ça donne. Donc voilà, cette petite vidéo technique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle va vous aider à réaliser facilement des pois jourés. Alors après, c'est pas très compliqué, mais je vous conseille quand même de vous entraîner avec ces deux techniques différentes pour vous habituer. Comme ça, si un jour vous voulez tricoter vos propres modèles avec des pois jourés, ben, ça vous permettra de bien connaître la technique et de prendre confiance en vous pour réaliser correctement votre tricot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la partie commentaires de la vidéo et de vous abonner à cette chaîne si vous voulez être au courant des dernières nouveautés. Je prévois notamment de faire des modèles de tricot pour bébé là à l'avenir. Je suis en train petit à petit de me préparer. Donc sachez qu'à l'avenir, étant donné qu'en plus de ça l'automne arrive, il va y avoir de plus en plus de vidéos de tricot. Donc voilà, là je reprends mon activité habituelle après l'été qui vient de passer. Donc voilà, écoutez, si vous avez des commentaires ou des choses à me dire, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Bisous.